diverses activités marquées célébration 215e année création drapeau haïtien en vendredi 18 mai 2018 là. Nan kayen président Jovenel Moïse plaidé en faveur unité la caille toute petite nation. Chef l'État Jovenel Moïse visité travail qui rage rivière la moumance dans les organes samedi 19 mai qui saute passé. Travail ça y rentré dans cadre d'une préparation qu'a fait pour saison cyclonique 2018 là. Premier ministre Jacques Guilla Fontan avec l'État Université l'État d'Haïti à Fritz Desormes si hein, jeudi 17 mai à contrat plan État UEH. Si un petit protocole entente ça, visé renforcer et puis moderniser l'Université l'État. À l'étranger, Nicolas Maduro élu pour un deuxième mandat dans tête pays Venezuela avec 67,7% vote. Non page sport, direction départementale l'Ouest MJSAC mettait en route avec activité sportive l'étape organisée dans l'occasion célébration 215e année création drapeau. Bonsoir tout le monde, jeudi, c'est lundi 21 mai 2018 et bienvenue dans le journal ça. Nous avons démarré le journal là avec information qui concerne les conditions de temps pour jeudi et nous allons recevoir collaborateur non Winner Polidor. Bonsoir Winner. Lundi 21 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble jeudi pour prévision météorologique journée. C'est un temps très stable sous pays. On a voir comment la situation est sous région. Nous avons une zone de haute pression qui toujours a influencé les conditions météorologiques sous région et la situation ça a créé un temps qui est instable sous la majorité région Caraïbes, dont Haïti pour aujourd'hui. Mais toutefois, quelques averses isolées étaient possibles sous le pays d'Haïti, sous certains départements. Mais il faut que nous préciser que la première onde tropicale nous, qui trouvait vraiment à l'est de Akanti a formé et depuis hier soir sous région et on dit ça les papes concernés Haïti dans journée mardi et mercredi la guette anticipé mais faut que nous attirer attention mon que on tropical a commencé former sous la mer Caraïbes avec sous océan Atlantique là et c'est pour ça pour suivre prévision météorologique journée et chaque jour on a le avec ça pire était possible sous quelques départements. Nous avons là Tibonite, le centre qui toujours gagne possibilité pour gagner la pluie parce que brise la mer avec réchauffement pendant la journée capable de causer quelques averses isolées avec quelques coups de l'orage. Département de l'Ouest aussi gagne possibilité pour gagner la pluie avec le sud-est, le sud, mais la pluie ça aussi en soirée et au cours de nuit là par rapport avec réchauffement journée et ensuite brise de mer cap rentrée. Pour capitale avec zone qui environnée, sur capitale qui en bas, beau temps avec stabilité. Mais vent cap soufflé, il a réduit considérablement l'activité de la pluie. Mais toutefois, il y a possibilité pour gagner quelques quartiers, cap gagner quelques averses pour jeudi, mais c'est en soirée et au cours de la nuit. Dans l'ensemble, c'est beau temps pour tout le pays avec soleil et puis vent cap soufflé. Mais en soirée, capable de gagner quelques convections locales qui baillent quelques averses isolées, j'en te dis, sur quelques départements. Et nous avons une température jeudi à cap monter jusqu'à 34 degrés Celsius, ça fait très chaud. Et puis, la descente en nuit, c'est 22 degrés Celsius. Pour la mer, c'est une mer qui agite non seulement sous côte nord par rapport avec zone de haute pression qui vraiment cap générer un vent très fort, mais aussi vers le sud, nous avons la mer cap agité jusqu'à 6 à 8 pieds, 6 à 9 pieds pour côte nord. Mais Golfe de la Grenade, c'est une mer qui peut agiter. Capitaine Abakasio, précaution avec prudence parce que la mer a très agité même jusqu'à force sous côte nord et côte sud, pays d'Haïti. Et pour pas astronomique, je dis à elle a couché à 6h18 et la pleuvée de matin à 6h13. Mesdames, Messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous allons croiser demain pour notre page météorologique. Voilà, c'était avec nous, collaborateur nous, Wilner Polidor, pour conditions météorologiques là. Merci Wilner et bonne semaine. Jean t'a annoncé l'antite, coupe présidentielle là, président des branches parlement, diverses personnalités politiques, avec représentants, quoi diplomatiques là, participé dans la cérémonie qui marquait 215e année création drapeau dans Akaye, vendredi 18 mai qui saute passé. Célébration a été faite sous thème drapeau, ses symboles, unité. Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay ont présenté nous un reportage. 215 l'année drapeau célébré dans Akaye sous sceau limité. Drapeau, ses symboles, l'unité. Drapeau, ses fierté, ses symboles, égalité entre femmes et garçons. C'est différents thèmes qui marquent l'activité. Thank you.
qui allait dans le même sens avec le processus État généraux sectoriels nation qui déjà a fait route dans Akaye. Une commune qui jouait gros rôle dans l'histoire d'après magistrat cité drapeau Rosemila petit frère Saint-Ville. On nous espérait initiative ça. C'est signal bagaille pral changer tout bon vrai dans pays. On nous souhaitait, on nous espérait initiative ça a permettre nous gagner un pays qui pour tout le monde, un pays côté tout le monde senti Haïti c'est pour eux. Je veux espérer que cette démarche État généraux sectoriel de la nation, en dépit des nombreuses failles qui sautent aux yeux, permettra au peuple haïtien de se rassembler sous la direction incontestée de ses leaders. Journée jeudi, l'île pour peuple haïtien prend destin en main. Pour haïtien qu'on est, qui calte gros peuple lié. Ces déclarations, président républicain Jovenel Moïse na Akaye. Chef l'État, une fois encore, mandé pour différents secteurs dans le pays à mettre chirépit, corruption et impunité dans le camp loin. Frère et Sam, haïtiens tout partout sous la terre, nous, chaque mot pas nous pour nous dire dans la construction de la démocratie du pays. Nous-mêmes, tout, c'est haïtiens. Pas coûter parole de destruction, pas coûter parole de division. Pas coûter parole de découragement. En tant que président pays, je engage dans la bataille qui a mené pour renforcer l'institution qui pral permettre droit économique et droit social peuple à respecter. L'union fait la force, c'est devise nous. Comment nous penser que le pays qui a sorti dans la salle aujourd'hui, dans le chien manger chien, dans le diviser pour aller, dans le bail menti tout le temps, pour peuple la senti que wap défend ni tout menti pa fond ki lè ti moun kon fèt sans douleur bon ki lè yon maman capable accouchon ti moun sans li pa gen douleur comment ka fè manger zè gen moun la ki remen zè fri comment ka manger son pa kasel comment ka réaliser grand rêve ou rien dans la vie sans sacrifice. Dis-moi comment. Moi, je veux connaître comment. Si nous ne voulons pas mettre tête nous ensemble aujourd'hui, pita à pitris. Coupe présidentielle là, tu profites de remettre cadeau par 6 jeunes filles, qui sont élèves du collège Saint-François d'Assise, qui ont un concours chant sous drapeau. Le ministère de l'Éducation nationale est organisé sous thème Drapeau, c'est fierté nous, Haïti, c'est pays nous, en mettez main. Merci Sabine ak Jean-Naël qui était présent dans Akaye dans cadre célébration 215e année création drapeau. Toujours sous même dossier à sous initiative direction départementale ministère jeunesse et sport ak action civique en pile activité déroulée dans Gonaïve vendredi qui saute passé à pour marquer 215 ans création drapeau. Parmi activités sa yo, nous avons cité parade élèves qui te gagné dans plusieurs rues, dans cité indépendance là. Exalus Mergina pour détail. Traditionnelle messe dans la cathédrale, parade avec défilé élèves, plusieurs établissements scolaires. En plus, l'activité te déroulé dans cité indépendance là pour célébrer 215 l'année création drapeau haïtien. Toute activité sa yo te déroulé sous contrôle direction départementale, ministère jeunesse, sport et action civique. Directeur départemental MJ Sakla, Donald Loger, dit satisfait pour Jean fait la tête déroulée dans cette indépendance là. Son sentiment de fierté que moi gagne donc pour me participer dans grande activité ça que nous-mêmes en dans département en dans ville Gonaïve que n'a pas organisé en l'honneur de Bicolore donc fête drapeau pays à que nous prend à cœur côté que nous a fêté à élève l'école donc la mairie délégation etc. Chaque 18 mai autorité municipale yo changé et puis monté drapeau bleu et rouge là avec drapeau Gonaïve qui c'est jaune et vert sous place Dame Gonaïve là. Anessa encore yo pas raté occasion. Magistrat Gonaïve là Nel la Tortue qui t'a participé dans activité ça yo dit c'est avec un sentiment fierté li présent pour monter drapeau à. Même contentement pour déléguer la Tibonite là,
Herbie Dalancourt. Drapeau nous c'est fierté, nous drapeau nous c'est nous-mêmes. Donc c'est un honneur pour moi-même parce que je suis haïtien. L'autre activité, autorité a été organisée dans l'occasion, c'est une conférence de bas côté qui a été expliqué élève importance bicolore haïtien. Exalus Merjuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Nous avons coup de pied dans le département nord-ouest en pays. À côté plusieurs activités étaient organisées dans la ville Port-au-Prince, vendredi 18 mai 2018. Là, dans l'occasion, célébration 215e année drapeau bleu et rouge. Là, il y a une série d'activités qui dégagent plus en plein année ça comparativement à l'année passée. Marc Ediosam pour détails. Bien bonheur dans le matin, plusieurs milliers élèves l'école, université et diverses autorités. Parmi eux, ancien premier ministre Inex Jean-Charles a participé dans une messe traditionnelle qui était célébrée dans la cathédrale Immaculée Conception dans l'occasion de fête drapeau bicolore. Dans l'homélie circonstance, prêtre célébrant de l'homme déploré le fait que 215 l'année après la création d'APOA, ces mêmes politiques coupées tête boule Kaila qui ont continué. Révérend Père Cholet Augustin. Nous nous considérons plus un mercenaire. Quand vrai berger, chaque monde veut partir par là pour la faire route. Personne n'est responsable de qui que ce soit. Nous poursuivons la politique de couper tête Bolekaï dans nos manifestations. Nous cassons, nous brisons, nous tuons. Tout ceci à des fins personnelles. Qu'est-ce que le pays gagne dans tout ça? Rien. Sinon, beaucoup plus de misère, beaucoup plus de division. Beaucoup plus d'insécurité. Les plus pauvres s'enfoncent, les plus riches s'enrichissent. Face à constat malheureux sa yo, prêtre catholique la plaidé en faveur yon réveil conscience patriotique pendant le tap adressé notamment à secteur universitaire. On nous réveille nous comme haïtiens, comme universitaires. On nous réveille nous comme peuple. On nous réveille nous comme petite capra la mort pour nous dire non à ça. Oui. Au changement de notre pays. Oui à la pauvreté. Non à l'insalubrité. Oui à l'union. Non à la division. Oui à l'électricité. Non au blackout. Oui à la sécurité. Non à l'insécurité. Oui à la justice. Non à l'impunité. Non à la corruption. Après Tédium, diverses autres activités, tant que parades, shows de danse, défilés majorés, étaient réalisés dans plusieurs endroits dans le chef-lieu département de cela pour honorer l'importance de la poubelle et rouge là, sans en cette côté coulé pour l'IA. Depuis, c'était Capra la mort pour le père, Marc Eddy Osam, antenne télévision d'État. Merci Marc Eddy Osam. L'autre information dans le journal ça, dans le cadre de caravane changement, président public là, Jovenel Moïse fait une visite le week-end passé à la rivière Moments dans Léogane. Objectif visite ça, c'est pour garder l'état avancement travail tirage qu'a fait dans la rivière. Président Jovenel Moïse qui était avec le ministre Travaux publics, Transport et Communication, ministre Communication Joseph Guilherme Sedelva et puis député circonscription Léogane. Renouveler engagement pour continuer travail dans l'intérêt de la population. L'invite au suivre un extrait dans l'intervention du président Jovenel Moïse dans le micro TNH. Nous avons travaillé pour que nous curer toute rivière qui a des problèmes dans le pays. La rivière Moumassé, qui a des problèmes, il y a une inondation. Mounio qui a vécu dans la zone de Boris Itlan, l'eau prend à faire, l'eau prend jardin. Maintenant, nous avons travaillé pour mettre l'eau dans le rôle. Ça nous a dit tout le monde. Je demande à tout le monde qui vit dans la zone Léogane, qui vit dans la zone Akaye, dans la zone Rivière Blanche, dans Gantier, qui vit dans la zone Rivière Moumastou dans Léogane, pour connaître que aujourd'hui, nous venons pour nous protéger. Leur équipement, ça vient de travailler, c'est pour aider les opérateurs. Les gens qui accompagnent, parce que c'est frère nous, c'est soeur nous, opérateurs. On parle de femmes et garçons qui soient pour opérer l'équipement. Ça parce que sans eux-mêmes, ça nous vient comme rêve là, la difficile pour nous réaliser. Rêve par nous, je nous dis là, c'est curer toute rivière qui vient dans le pays. Mais qu'on est l'autre monde qui a vécu dans l'autre zone, tant que monde qui a vécu dans la zone Tigouave, monde qui a vécu dans la zone Vialet, monde qui a vécu dans la zone Saint-Louis du Sud, par exemple. Nous connaissons une rivière millionnaire dans la zone Saint-Louis du Sud, monde qui a vécu dans la zone Cavaillon, une rivière Cavaillon. Mais tout ça, on a privé sur eux. Mais nous n'avons pas qu'à faire un seul coup. Nous avons fini de curer la rivière ça, et nous allons déplacer pour aller pour nous curer toute la rivière l'un après l'autre. Mais nous demandons de patience. Parce que depuis le problème, là, tout le monde a demandé pour faire tout le travail ensemble, ça n'est pas capable. Nous demandons au peuple
pour qu'il y ait calme, qu'on ait privé sur tout le monde. Monde rivière petit qui a regardé là, monde rivière Barrette, il y a petit travail qui commence à faire, mais n'a venir pour un gros travail qui fait. Monde rivière la dit, nous te dit nous déjà automatiquement équipement sorti dans rivière Poujol dans Akaye, c'est dans la dit qui a venir. Monde dans zone Okay, m'a parlé de moun qui a vivre dans zone côté de la ravine du sud qui connaît pas problème. A privé sur nous tout. Moun qui a vivre dans Port-à-Piment, moun qui a vivre dans Rochabato, moun qui a vivre au coteau. Pas gen yon rivière dans pays a nous pas moyen. Moun Limbé, nous connaît des gars rivière Limbé qu'on fait. N'a privé sur nous. Moun qui a vivre dans zone bord de mer de Limonade. Nous connaît qui des gars rivière Paroa, grande rivière du Nord qu'on fait. N'a privé sur nous. N'a privé sur tout le monde. Moun trois rivières. Moun k'ap viv nan port de paix, nous connaît qui dégâts que trois rivières qu'on fait dans zone typhon, n'a privé sur tout moun pour nous curer toute rivière dans pays pour qu'on baï problème pour mettre dans rôle pour que rivière suspende fait dégâts dans pays. Voilà, c'était déclaration président République là Jovenel Moïse pendant visite li dans rivière Moumance dans Léogane. Sous initiative direction départementale l'Ouest, ministère santé publique et population, yon clinique mobile organisée dans commune Akaye en occasion fête drapeau. Plusieurs médecins et infirmières étaient mobilisés pour bay patients yo soins ka yo nécessité. Directeur départemental l'Ouest santé MSPPA docteur Martial Benèche a porté précision dans micro Michel Joseph. Ministère santé publique pour le corps et caravane et administration Moïse Lafontaine lancé caravane ça pour aller joindre les gens, pour contrôler les tensions, pour contrôler les sucres, et éventuellement les gens joignent qui ont des chiffres tensionnels élevés ou du moins des chiffres glycémiques élevés, eh bien, ils ont orienté vers l'institution qui est plus près. Et bus clinique mobile qui là, au médecin qui là, infirmière qui là, tout a commencé prise en charge là pour permettre que moun yo capable d'être en santé. Donc nous faisons les jeudi en dans occasion journée mondiale contre tension artérielle. Son programme qui continue. Mais maintenant dans l'Ouest là, qui c'est gros motion qui m'a dirigé, gagne un ensemble d'institutions que nous choisis déjà. N'a gagné par exemple à Cayenne, l'hôpital à Cayenne, Cabaret n'a gagné centre de santé de Cabaret, Port-au-Prince n'a gagné centre de santé au du Bel-Air. N'a pas gagné Saint-Martin 1, n'a pas gagné Akasson 32 Bon Repos Bedin, n'a pas gagné Elias Agemé. C'est des sites, par exemple, Tigouave, n'a pas gagné l'hôpital Tigouave, Grand Gouave, n'a pas gagné l'hôpital Grand Gouave, ni Léogane, n'a pas gagné cette santé de Léogane et de Gressier. Côté que Mounio, après le cap, contrôle les tensions avec Sucio de manière régulière. Sans entrer dans la logique, Boucan est soutenu Bouy, qui est l'administration Moïse Lafont a prôné. Donc, gros mot, c'est pour la question de centre d'urgence que le ministre a construit avant le mois de septembre. Pour adresser la question, l'homme qui fait gros accident, si vous parlez à l'étranger, vous avez mouru. L'homme qui a un stroke, si vous ne voyagez pas avec elle, vous avez un problème. Eh bien, nous allons adresser la question. L'autre nouvelle, le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a accepté l'Université de l'État d'Haïti à Fritz Desormes, si un jeudi 17 mai à contrat plan État UEH. Si un petit protocole entente ça, entre pouvoir exécutif et l'Université de l'État, vise à renforcer et puis moderniser l'institution. Cérémonie scientifique a réalisé en présence membre cabinet ministériel là, parlementaire, membre conseil université l'État, membre commission nationale pour innovation et insertion socio-professionnelle et puis conseiller président République là. Suivons compte rendu à Rachel Saint-Fort. Ba université l'État moyen pour fonctionner pour répondre à la mission dans société à tant qu'on fait formation recherche et puis ba communauté à service c'est principal objectif si a ti contrat plan état UEH entre exécutif là à université l'État. Selon recteur université l'État Fritz Desormes, protocole d'entente ça basé sur plan stratégique institution à travers orientation stratégique qui kembe yo différents acteurs yo doit travailler pour rationaliser gouvernance université l'État. Ba l'infrastructure qui permet de faire mission et puis créer un millier d'accueillants motivants, renforcer engagement et qualification corps enseignant, renforcer adéquation entre offre formation et besoin développement société, renforcer et puis développer recherche et service offrir communauté. Recteur Fritz Desormes explique dans ça qui vient pour engagement de parti au prend à travers protocole ça, université a répondre à engagement. Il y a des engagements précis sur lesquels le protocole met l'accent. Il prévoit notamment la mise à la disposition de l'UEH des ressources budgétaires suffisantes
pour lui permettre d'atteindre les résultats inscrits dans le cadre du plan stratégique. Je citais l'accord lui-même. Il est même précisé que montant représentant 2 à 3% du budget national sera alloué à l'UEH pour son fonctionnement. L'accès préférentiel de l'UEH au marché public dans les domaines de sa compétence et l'aménagement de partenariats institutionnels avec les services de l'État. Le renforcement du cadre normatif, réglementaire et législatif de l'UEH pour une meilleure gestion de ses personnels et une gouvernance académique, administrative et institutionnelle plus efficace. Dans l'occasion, dans l'intervention, le Premier ministre Jean-Guy Lafontaine félicite différentes instances, tant que rectorat, primature, avec la présidence, qui travaillent ensemble pour rendre signatif protocole ça possible. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour rappeler les responsables de l'Université de l'État pour prendre toutes dispositions nécessaires pour identifier et puis répondre à besoins réels de l'Université pour permettre UEH et de relever les défis enseignement supérieur à faire face et puis accompagner l'État à collectivité dans le grand chantier qui lance. Le Premier ministre Jean-Guy Lafontaine renouvelé l'engagement du gouvernement pour soutenir l'Université de l'État dans l'effort de modernisation. L'activité d'aujourd'hui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'enseignement supérieur haïtien. Nos institutions d'enseignement supérieur, qu'elles soient publiques ou privées, connaissent depuis plus de plusieurs années un déficit chronique en termes de ressources humaines, financières et matérielles. Ce manquement affecte la qualité de la formation distribuée à nos étudiants. Le gouvernement que je dirige est bien conscient de ces problèmes. C'est pourquoi l'administration Moïse Lafontaine travaille pour que les établissements d'enseignement supérieur soient à la hauteur des enjeux du développement du pays. Car ce dont le pays a le plus que jamais besoin est un système d'enseignement supérieur fort et dynamique, susceptible d'assurer la formation de la jeunesse afin qu'elle puisse contribuer valablement et dignement au développement institutionnel, économique et social du pays. D'après le recteur Université de l'État, article 15 à 22 protocole là traité modalité mise en œuvre un comité suivi 9 membres dans un délai un mois. 3 absorti dans l'Université de l'État, 6 l'autre absorti dans différentes autres instances, tant que la présidence, la primature, ministère économie et finance, cérémonie signature contrat plan État UEH entre l'État et l'Université de l'État, et occasion pour honorer 12 lauréats parmi environ 150 qui sortent dans différentes promotions, diverses filières, différentes facultés, institutions dans l'Université de l'État. Merci Rachel Saint-Fort. Reine pays l'Espagne, Laetitia Ortiz en Roca Solano a visité pays d'Haïti demain 22 mai. Visite ça qui fait suite à une invitation autorité haïtienne à permettre Renan Chita Palé à président république là Jovenel Moïse, premier dame nan et puis représentant coopération espagnole en Haïti d'après porte-parole présidence là Tamara Orion. Visite ça a duré 2 jours et puis gain plusieurs autres points non agenda d'après madame Orion qui t'a répondu une question Jean-Serge Nolendor. Reine Laetitia Ortiz, la rentrée demain en deux pays, c'est une bonne visite de jour. C'est une invitation qui est lancée à Reine et Reine répond favorablement pour les capables de venir visiter. Et elle a gagné pour les rencontrer avec plusieurs représentants, agences avec ONG et espagnol. Quand elle a gagné pour le présider, on rencontre. Elle a bientôt pour les visiter des centres d'accueil en deux pays, centre éducatif sur Saint-Vincent de Polio. Elle a bientôt pour les rencontrer avec femmes qui bénéficient de plusieurs projets de nutrition pour tout le monde. Et en fin d'après-midi, il a pour ce voile, coup présidentiel, il a pour ce voile dans le palais national pour un cocktail de bienvenue. Et avec première dame république, là, reine Laetitia Ortiz, pour elle gagner pour les capables de discuter sur la question de la situation de femmes, il n'y a pas de bon ici. Question éducation avec la santé qui c'est une priorité première dame république là parce que tout le monde avec femme c'est priorité et première dame là tout
travail que li a fait articulé autour de deux moun sa yo. Et c'est pas une belle visite parce que je dis c'est pas parce que il y a une catastrophe qui fait que Rennes n'a pas visiter pays hein. L'a venir visiter pays dans un contexte côté gagner une stabilité politique et l'a venir garder comment li wè Haïti a, et pas permettre que li parlons l'autre gens tout de Haïti. Parce que chaque fois yo parle de Haïti, c'est les gon catastrophe, soit un cyclone, soit un tremblement de terre, ou bien soit gagné un problème politique donné. Yo parle de Haïti, mais aujourd'hui, leur gagné yon opportunité pour recevoir yon royauté qui vient visiter pays ou là, et bien le rivel pour aller pour lui discuter avec moun que la parler, mais qui ça le voit pas bon ici. Mais comment que pays ça, lui-même, lui est touché que parce que Haïti, en dépit de tout bagarre, moun ka dit de lui, nous sommes peuple qui connaît recevoir moun, nous connaît comment nous recevoir moun, et le nous a parlé avec moun qui vient visiter nous, nous avons effet que nous faisons sur nous. Déjà, pour tout le monde, nous souhaitons bienvenue, Ren Laetitia, bienvenue, parce que je dis, c'est une belle opportunité pour nous gagner des moun, des personnalités consacrées à venir visiter Haïti dans un contexte spécial. Est-ce que vous parlez tout dans la logique de renforcer la coopération espagnole là et en Haïti? C'est ça que fait Ren Nabralguin pour lui rencontre fond, lui-même il va le présider, il rencontre ça avec la coopération espagnole pardon, et l'autre ONG qui a travaillé dans la question ça pour être capable de garder comme être capable de renforcer la coopération. Parce que l'heure ou deux, yo, et Serge nous les doit pisser, des représentants qui ont doumé comment le pays, mais comment le pays, l'on vient garder ou même, ou bon l'autre image, ou bon l'autre idée. Qu'on fait de lui. Mm-hmm. Est-ce que l'autorité haïtienne, il y a des bagages particuliers que vous souhaitez discuter avec Renna pendant le passage en Haïti? Et évidemment, le président Salabal a pour lui rencontrer avec Renna Laetitia Ortiz, c'est la première dame république, là, lui-même, a pour lui rencontrer avec lui. Ça fait dire qu'avec la première dame, il y a pour lui discuter sur la situation de famille en Haïti, éducation avec santé et Timounio, qui c'est une parmi les priorités que la première dame république a. Voilà, j'entends suivre les visites dans le pays espagnol. Laetitia Ortiz, c'est pour demain, mardi 22 mai. Première dame République, la Martine Moïse, fait un viréron dans la commune Cité Soleil, jeudi 17 mai. Objectif, viréron ça, c'est garder avancement travail nettoyage qu'a fait dans Cité A. Et puis garder tout, conditions, infrastructure, l'école nationale, Cité Soleil. Un reportage, Sabine Jean-Étienne, avec Jean-Naël Duvernay, a présenté. C'est une visite pour garder qui gens travaillent nettoyage avancé dans quelques zones en dans Cité Soleil à qu'approche saison la pluie qui compte faire gros dégâts dans commune là. C'est occasion pour première dame nan Martine Moïse visiter dans un premier temps l'école nationale là côté Timounio à recevoir éducation dans mauvais conditions. Député Pierre Lemaire qui t'a accompagné première dame nan environ ça, dit population Cité Soleil là apprécie démarche là. Et son c'est un plus gros problème commune là, problème éducation. C'est nous qu'on paquet de monde qui va à l'école et moi c'est visite première dame nan pour porter en plus pour nous pour permettre que l'école ça il rive construit et première dame nan li dans l'école là et la visite de l'école là la visite avec Mayo moi c'est semaine qui a venir a gagne visite et une délégation qui a sorti en Espagne qui a présent avec nous. Je pense que c'est un bravo pour la visite là. Je pense que la visite ça, il va symboliser un peu le bail pour la commune. Je pense que la première dame, elle remet cité. Je pense que l'autre fois la vie encore, je pense que c'est une inauguration quelques gros projets qui ont dans la commune. Tout de suite après, la visite là t'allera poursuivre dans le centre santé Marie-Louise Marilac, qui a plusieurs écoles là-dedans. Dans le centre santé, ça, responsable surtout. Bail soin à femme enceinte qui touchée par virus sida. Nous ici à la dans école Louise de Marilac. Côté que nous venons garder cette là son centre parce que nous connaissons que première dame nan dada c'est la petite enfance yo gon centre de santé là côté recevoir mesdames yo l'œil enceinte yo fait dépistage pour yo et parmi yo ça qui positif yo prend yo en charge donc ça a aidé que grand pile ti moun k'ap fait yo pas fait avec germe sida nan sang yo donc ça son bagage qui pour encourager et mais yo tout assuré que mesdames qui sous traitement pendant yo enceinte là. Même après au fin accoucher, il y a un traitement tout parce que même l'on pas passer ti moun nan maladie pendant 7 ans, mais pendant on fait allaitement, on ka passer la maladie. Donc c'est toujours qu'un médicament, prend médicament à des heures précises côté docteur a dû comprendre yo, comme ça petit tout à vivre en santé. Nous également té aider cité a parce que moi tout moun yo en dans cité a tout encadré, moi gagnen TPTC qui bon bon coup de main, nous gagne CN qui aide nous en pile côté CN avec TPTC voyez excavatrice yo voyez moun nan zone nan tout mettre la main y a pendant 6 ou 6 qu'on est privé là pour nous commencer préparer parce que ça nous toujours fait longtemps c'est tant de problèmes d'arriver pour nous résoudre
mais coulé faut nous penser à l'avance côté bon problème qui arrive, nous capable anticiper. Donc c'est un petit nettoyage qui besoin ressources là parce que c'est pour ça et quand ça caravane y est, c'est ressources qui sur place qu'on prend qu'on mette en branle pour faire quelque travail. Donc c'est un nous gros coup de main, TPT c'est un gros coup de main. Donc zone n'a pas gardé au fur et à mesure comment nous capable nettoyer, comment nous capable désenclaver parce que problème en cité en pile, mais faut nous commencer son côté. Première dame Martine Moïse promet pour tourner dans cité soleil avant longtemps pour assurer suivi travail nettoyage canal yo à Claude Demache qui en cours bon côté la présidence. Amis téléspectateurs, c'est sur information ça on a observé en coup de pause dans journal là, pas déplacé, n'a tourner dans un petit moment. Nous retournons pour deuxième partie journal là. Merci pour fidélité ou attention et si vous à peine branché ou à suivre journal mi-temps journée sur télévision nationale d'Haïti. Comité pilotage états généraux sectoriels nations a organisé mercredi 16 mai premier rassemblement états généraux sectoriels nations dans ville Akaye. Activité ça qui réunit représentants divers secteurs dans société haïtienne là et occasion pour différents acteurs yo mettre tête ensemble pour décider sur avenir pays a. Johnny Arbi Kaseyus en a rencontré andi. C'est dans localité Saint-Ar, une zone dans commune Akaye. Comité pilotage état généraux sectoriel nation organisé premier rassemblement ça. Activité ça qui réalisé deux jours avant célébration fête drapeau 18 mai dans ville Akaye doit être comme source motivation qui pour rappeler nous décision et engagement sans cette qui prend pour mettre pays à camper selon magistrat Akaye Marie Rose Mila Saint-Ville petit frère. Gros assis ça qui pas dans affaire polémique sous non ak moun qui prend décision lancer initiative là. Pas à faire un petit groupe moun. État généraux sectoriel là doit une occasion pour mettre tout nous tout moun sous même table sans passe pour qui. Nous doit fouiller problème nan jouk nan racine pour nous connaître qui ça qui empêche pays à développer et puis prend route progrès depuis nous fin casser babouquette là. Dans l'esprit ancêtre nous yo qui te fait congrès à Kayer. C'est pour nous voyer jeter toute l'idée vengeance politique. Pendant rencontre ça, représentant différents secteurs dans la société haïtienne nan brasser l'idée sur problème pays a fait face. Expliquer comment Haïti teye, qui j'en lié jeune jodi et puis proposer l'autre piste solution pour permettre de monter sur rail développement. Si nous t'as songé élection qui passé États-Unis go avec Bush, go te gagne élection, mais il dit les garder pour le pour prendre pour prendre terrain avec les États-Unis. Il dit que bon Dieu bénit l'Amérique, Bush gagne élection. Voilà en Haïti, même l'on a gagné l'élection, pas jamais gagné. Mais qui problème nous gagne en Haïti qui mettait nous côté nous. Alors demandez pour monsieur, pour nous-mêmes tout, commencer à penser toutes cicatrices pour nous penser. Dans l'État, tout le monde a un rôle. Fort, tout le monde joue un rôle. Hiérarchie à quoi respecter. Tout le monde connaît, tout le monde a qui niveau est capable d'agir, à qui niveau est capable d'intervenir. Comité pilotage états généraux sectoriel nation là pour faciliter dialogue dans mitan population. Les gains pour mission favoriser entente dans mitan société a selon docteur Jean-Claude Desgrange. En chita pour nous parler population qui vous dit mais ça nous voulait, mais ça nous sorti, mais ça nous remet qui fait. Comité pilotage états généraux sectoriel nation a organisé rassemblement dans tous 10 départements géographiques pays a. Une façon pour gain disons tout le monde sous problème avec décision qui doit prendre pour faciliter le développement Haïti. Yo fait connait y a bien pour élaborer un document cap gain la donne toute proposition qui sorti dans atelier travail ça yo. Travail pour construire l'école nationale dans 3e section communale qui a déjà commencé. Une action qui fait habitants zone ça content selon déclaration Ganel Girardin directeur l'école là. Qui c'est en même temps coordonnateur mouvement jeune Akin pour développement sud. C'est film général construction qui a exécuté projet ça sous on dirait yon l'année à Miriam Loiseau à ban détail. Rêve habitant sous Jean-Jacques 3e section communale Akin qui c'est construction de l'école nationale t'a tarissé depuis un bon bout de temps sous route pour le réaliser. C'est grâce à démarche mouvement jeune Akin pour développement sud Mojads. Bon côté Banque mondiale ak EPT, rêve ça a vini en réalité. Construction l'école ça a résolu problème ti moun nan zone nan
qui te compte marcher en pile pour aller prendre l'instruction dans cette ville à Kin. Gasnier Gérardin, c'est coordonnateur Mojad. Mondial, APD l'État, parce que Mabdoula nous-mêmes, les banques mondiales disent qu'elle a bâillé l'école là, tout part la manifestation, elle fait tellement contentement qu'elle est content. Nous avons constaté, nous avons la rue là, le 18 mai, il y a fait parade parce qu'elle est bosse sur le chantier, elle est content en pile. C'est FIM Général Construction, cap exécuter projet ça sur une durée de l'année. Pour exprimer contentement pour projet ça qui commence à réaliser, occasion fête drapeau, plusieurs centaines élèves de l'école nationale Jean-Jacques t'es défilé dans la rue Akin après avoir fini participer dans le téléhomme traditionnel qui t'est chanté dans l'église Saint-Thomas 18 mai 2018. Anne Myriam Loiseau, métropole Miragouane pour TNH. Dans l'actualité internationale, le président Nicolas Maduro remporte l'élection présidentielle dans le pays Venezuela avec 67,7 voix contre 21,2% pour principal adversaire là, Henri Falcon. Plus passé 14 pays dans l'Amérique et dans le Caraïbe ont rejeté les résultats de l'élection qui, d'après eux, été rempli à faute. Nous invitons à suivre un reportage. Presque 20 millions électeurs votés dimanche 20 mai 2018 là dans l'élection présidentielle dans le pays Venezuela, côté Nicolas Maduro remporté avec 67,7% voix. Candidat qui était en face président Nicolas Maduro, Henri Falcon, lui-même fait 21,2% voix. Pendant dénoncer légitimité élection ça et puis exiger organisation une nouvelle élection avant fin année 2018 là. D'après Henri Falcon, électeurs recevront une récompense 10 000 bolivars dans le président Maduro après au fin voté. Henri Falcon, 56 l'année, présenté tête dans l'élection Sayo après qu'il ait fini quitter la coalition opposition MUD. L'autre candidat qui était dans l'élection ça, pasteur évangéliste Javier Beltoussi, 48 l'année, lui-même tout dénoncé élection ça quelques minutes en après et puis demandé un nouveau vote. Sous Bopayo, États-Unis, Union européenne et groupe Lima, yon alliance 14 pays en Amérique là ak nan Caraïbes là, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Guyane, Honduras, Mexique, Panama, Paraguay, Pérou, Sainte-Lucie rejeté élection ça. Mandat président Maduro à bout jusqu'à 2025. Dans le dossier sport, direction départementale Ouest MJSA a clôturé le jeu sportif dans l'occasion 215e anniversaire de Rampoa dans le centre sportif d'Adadou samedi 20 mai 2018. Là. Et puis à l'étranger, basketball NBA, Golden State Warriors reprend avantage là après victoire sur Stone Rockets dans le troisième match pour finale conférence Ouest. Nous invitons à suivre. 18 mai passé, a marqué 215e anniversaire drapeau national. Là. Pour bien marquer date ça, direction départementale l'Ouest, ministère jeunesse sport et action civique organiser diverses activités culturelles et sportives pour montrer et sensibiliser jeunesse pays à son importance bicolore national là. Activité si la yo te prend fin journée samedi 19 mai 2018 là dans centre sportif d'Adadoua qui chita kol dans Delma 3. Gilbert Chaleus, c'est directeur centre sportif d'Adadou. Activité ça rentre dans le cadre des jeux scolaires de la direction départementale de l'Ouest du ministère de la jeunesse et des sports. Jeux scolaires ça a été commencé. Et puis je dis à nous arriver avec aboutissement et jeux scolaires ça qui coïncidait avec les activités du 18 mai. Par exemple, dans cette sortie d'Adadou, hier, nous avons un défilé qui a commencé sur place Delma 5 là. Il virait par cette poste Delma 3, il est rentré. Ensuite, nous avons une parade. La parade a été faite hier matin. Et puis jeudi matin, nous avons athlétisme. Ensuite, nous avons un match et exhibition volleyball. Nous avons un match basketball fille. Malheureusement, il y a une équipe qui a empêché de pas venir. Ensuite, comme par contre, si vous êtes là, vous êtes regardé, nous avons un match dodgeball. Dodgeball, c'est une nouvelle discipline sportive qui fait cap lancer. Ensuite, nous avons deux finales en balle. Et simultanément, pendant deux finales en balle, nous avons une finale de football qui a fait l'après-midi à tout. Pas oublier, ça fait trois fois que je dis que c'est sportif d'Adadou. Et normalement, nous avons pile de difficultés. Si on regarde le building ça, qui n'est pas derrière le bureau, non, si on regarde l'infrastructure qui commence, c'est une occasion pour moi, pour me dire, ça fait près de 6 ans depuis le travail de rénovation, ça a commencé, pas jamais fini. Chaque fois que le film est venu, il fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois l'aller.
et qu'on y a sous 6 ans pour jambe qui a fini. Dans le goût, mais on est arrivé à jouer une tribune, ça, nous avons une salle de musculation qui nous joint, nous avons une salle de jeunesse qui après ça, rien pour qu'on fait encore. Mais cependant, comme son vieux routinier, c'est plus ancien technicien dans le ministère jeunesse et sport, normalement, nous agencer et activité avec personnel qui est pour être capable de faire toute activité au marché. Diverses activités marquées célébration 215e année création de drapeau haïtien vendredi 18 mai 2018 là. Dans le président Jovenel Moïse plaidé en faveur unité la caille toute petite nation. Chef l'État Jovenel Moïse visité travail qui rage rivière la moment dans les organes samedi 19 mai qui s'est passé. Travail ça y rentré dans cadre d'une préparation qu'a fait pour saison cyclonique 2018 là. Premier ministre Jacques Guy Lafontaine avec rectorat Université de l'État d'Haïti à Fritz Desormes, si un jeudi 17 mai à contrat plan État UEH. Si un petit protocole entente ça, visait renforcer et puis moderniser l'Université de l'État. À l'étranger, Nicolas Maduro élu pour un deuxième mandat dans tête pays Venezuela avec 67,7% vote. Non page sport, direction départementale l'Ouest MJSAC mettait en route avec activité sportive étape organisée dans l'occasion célébration 215e année création drapeau. Et bien voilà, amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous être ensemble et c'est la journée de la boute pour jeudi. Merci pour fidélité et attention. Nous invitons à être branchés pour suivre cette programmation. Rendez-vous avec Salle des Nouvelles là, c'est à 7h pour Téléjournal là. Bonne semaine tout le monde.